Allez, voilà, cash. J'allume mon appareil photo, la dégaine que j'ai. Mon doudou, il me prend pour une folle, il me dit, mais enlève ta veste d'abord avant de faire ton vlog. Bah non, on vient juste de rentrer. J'aurais voulu vous montrer le temps dehors, en fait, il neige. Enfin, il neige. Il neige, ça. Juste ça, il neige. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé ma veste. Ah, ça va mieux. Pouh. Ça va mieux. J'ai enlevé ma veste. Donc là, on est vendredi soir. Oui, vendredi soir. Doudou, il est où, Doudou? Ah, il est là. Coucou. Ça va? Chaud? Non, froid. Ouais. J'espère que chez vous, ça va. J'espère qu'au moment où ça sera en ligne, je me dirai. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et toi, tu le mets. Et ne vous inquiétez pas, c'est chacun le sien. Je n'y touche pas, ni son pochon, ni Je crois rien. qu'il y a la ficelle qui dépasse, je sais pas si c'est normal. Oui. En tout cas, Martial, il est très, très, très content. Très satisfait. Hein? Oh, on l'a décoiffé. Enfin, j'enlève ma veste. Non, on va quand même prendre pour une. Lumière. On va s'approcher un peu de la lumière. Voilà, c'est mieux. Voilà. Là, c'est du direct live. Hein. Par contre, ça, je vais le garder près de moi. Oui. Et je vais me manger un Mars. Même si on est qu'au mois de janvier. Ha ha ha! C'est drôle! Qu'est-ce qu'on se marre au canard? En fait, les chaises, on n'avait rien à foutre de nous. On est arrivés. Ouais, tu ouvres le bureau? Ouais, j'ouvre le bureau. C'est ça. Ben voilà, il y en a déjà un. Je sais pas si vous voyez. Elle est là-bas. Il est là. Ouais, là-bas, le Mimi. Viens, le Mimi. On peut te voir pas. Mimi, Manu, Mimi. Elle est partie, Mimi. Elle est partie au Mimi. Ah, elle est partie là, Mimi. Elle est partie là, Mimi. Mais alors? Attendez, ça bouge un peu. Mais alors? Et Mimi? Mais Mimi, hein. Hier, on avait l'idée de faire des nouilles. On a été très intelligents. Hein. Regardez. On a fait des nouilles pour au moins 30 personnes, pour au moins toute l'année. Alors qu'on n'est que deux. C'est pas grave. On a quand même à manger, hein. Il n'y a pas. Martial, tu veux des nouilles? Tu veux des spaghettis? Des bons spaghettis. Oh, putain, mais on en a fait pour combien? C'est pas grave. Nous, ça nous dérange pas, enfin. Pas tant que ça. Avec ça, on avait fait des épinards, de la sauce. C'était quoi la sauce verte qu'on avait fait? On avait fait du maïs avec. Du pesto, du maïs avec. Derrière, on a encore les cornichons à manger. Les danones du coffland. Et puis voilà. Et on a mis un œuf. Trop, trop bon. Trop, trop bon. Et ça, moi, je sais que son papa ne passera par là. Mais si jamais il passe par là, hein, donc c'est sa conjointe qui les a fait. Ils sont trop, trop bons. C'est des chocolats aux amandes. Faits maison. Pas par moi, mais. Par la famille, hein, donc c'est trop 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 bon. On essaye de pas trop en manger. C'est trop bon, hein. Ouais. Et ça, c'est le coup de cœur de Martial. On touche pas à mes rillettes. Non, on touche pas à tes rillettes, t'inquiète pas. Mais je sais, le frigo il est ouvert trop longtemps. Donc on a des pâtes. C'est bien, hein. Oh, des pâtes avec la spaghetti de la sauce bolognaise. Il est content, hein. On est deux, elle fait 2 kilos. T'as du maïs, quoi? 1,5 kg de pâtes. Moi, je mange une hachette, une assiette. Regarde, ils ont déjà sali. Voilà, c'est foutu. Vous le voyez pas, mais ils ont sali l'eau partout. Je mange une assiette de pâtes, j'en peux plus pendant 2 semaines. Elle fait 1,5 kg. C'est pas grave. Tu vas manger autre chose. Un pauvre chat qui a besoin d'attention. Oh, pauvre chat. Et pauvre chat. Ah non, elle n'est pas pauvre. Elle m'a fait chier ce matin à 4h07. Non, à 3h07. Merde, tu es flou, ficelle, excuse-moi, voilà. 3h07. Ouais. C'est le chacha. Et ficelle, regardez. Non, viens. On va leur montrer
Oh le pitou. Oh le pitou pitou. Oh le pitou. Oh là là. Je vais la caresser 2 secondes, après elle va se mettre à cracher et elle va partir. Oh pitou pitou pitou. Expulsé par l'explosion. Et voilà comment je finis ma soirée, comme souvent, soit sur l'ordi, soit ici ben, devant la télé tout simplement. Donc la télé, elle est là. Les chachas sont juste en face, donc il y a ficelle. Moustache, comme vous l'aurez vu sur le bout de vidéo juste précédent, ben, lui le soir il aime bien faire son curieux, il aime bien être au niveau de la fenêtre et regarder ce qui se passe dehors. Ou bien souvent ben, il se met plutôt ici. Il se colle à ma jambe, à mon genou, jusqu'à que ma jambe poup, tombe. Donc lui, il est content. Lui, il a toute la place sur le canapé. Trop bien, trop bien. Bref, donc voilà, la tenue comme j'ai avant, hein, ça n'a pas changé. Hein, je ne me suis pas changé, rien du tout. C'est vraiment la tenue décontractée du samedi soir. Je suis devant la télé. Je ne sais pas encore trop ce que je regarde, moi, il est... Ouh, pardon, il est un peu tard là. Alors bon, je zappe. Ouh, j'ai un peu du mal à me cadrer parce qu'en fait, l'appareil photo va vers le bas. Puisque j'ai la tête dans les choux-fleurs. Voilà, ça c'est dit. Bref. Moi, je vais vous laisser. Et je vous dis, ben, à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Donc pour moi, c'est demain matin. Je vais aller au marché. Il fait froid, mais... Je vais aller au marché pour 9h30, 10h, tranquillou, en même temps je vais voir ce qu'il y a à la télé. Et puis ben, pour vous c'est à tout de suite et pour moi ben, c'est à demain matin avec mon petit panier, je vais aller au marché. Let's go. Oui, je coupe comme ça, hein. Faites pas attention, à tout à l'heure, à tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain et donc là on a une vue sur ma liste. Bien sûr, parmi cette liste, il y a encore 1 million de choses que je n'ai pas notées, mais que je vais faire, tout simplement. Donc là, je suis dans le couloir. Donc on est samedi et le lendemain. Vous n'allez pas forcément voir ce qui est marqué, mais je vais vous le dire. Donc j'ai marqué aller au compost, enlever les barres de rideau dans la chambre et de la salle de bain, très important. Mettre la palette qui est dehors, la mettre dans la cave, changer les draps, mettre une nouvelle annonce sur le bon coin, nettoyer la chambre, laisser couloir salon, faire des biscuits, etc., etc. Et les chats, ils sont en train de se balader, de faire les foufous, hein, n'est-ce pas? Et donc là, je vais vite un peu manger, vraiment vite fait. Et puis ensuite, là c'est le rayon, petit déjeuner, etc. Et ensuite, ce sera direction le marché. Let's go, c'est parti pour aller au marché. J'emmène mon petit sac à filet pour mettre les oranges, les clémentines. Et le panier où c'est inscrit, le petit... marché. Oui, ça va pas vraiment avec ma tenue, hein. On s'en fout complètement. J'ai juste mis un jean pareil que hier pour le travail. J'ai remis vite fait ça, puisqu'après je vais de toute façon me laver. De toute façon, d'aller voir ma tronche. Hein. Pas attention. Donc, je me suis bien habillée chaudement parce qu'il fait froid. Je vais encore mettre les gants. Et puis, let's go. Je suis vraiment désolée. J'aurais voulu vous prendre avec moi au marché, au moins. Le temps que je me balade, etc. Le temps de faire l'aller et le retour. Histoire de marcher un peu avec vous. Non, de parler un peu avec vous. Mais le temps dehors, il est tellement merdique. Il y a une petite brume, une genre de petite pluie. Je vous dis, je prends pas de risque. Si j'aurais été comme ça dehors, toute la pluie serait tombée sur mon appareil photo. Je voulais pas prendre de risque de ce côté-là. Donc voilà, mon panier. Alors bon, je me suis dit, déjà, je fais l'effort, je vais au marché, je me lève, nanana. Donc le marché, donc tout le monde sait ce que c'est à l'extérieur, etc. Si déjà je vais au marché, je vais en profiter pour faire des courses zéro déchet. Mais non, malheureusement, j'ai pas réussi. Parce que bon, c'est pas de ma faute, hein, tiens à préciser. J'ai juste un sachet, vraiment un sachet, je vais vous montrer. C'est les clémentines. Moi, je voulais pas, hein, voilà, c'est les clémentines. Et j'avoue, ça me fait royalement. Tout simplement parce qu'en fait je lui ai donné, hein, j'avais mes deux mains ensemble, je lui tends, elle les a pesées et tant que je cherche mes petites pièces dans ma poche, elle s'est retournée, elle a discuté avec sa collègue, quoi, qui était à côté d'elle, et tant que je tends, ben, elle m'a tendu le sachet avec les clémentines.
Alors bon, j'étais un peu dégoûtée. Bon, tant pis, hein, je l'ai pris, mais de toute façon, en plus, je peux même pas dire que je le garde ou je le réutilise, puisque là, il est déchiré. Voilà, il est complètement déchiré. Donc, ça fait que ça va être un déchet à la poubelle. Bon. Je sais même pas s'il va dans la poubelle jaune. Finalement, il va dans la poubelle jaune. Mais bon, j'aurais préféré avoir zéro déchet. Donc, en dehors de ce sachet, je n'ai pas de déchet. Donc, j'ai les oranges. Ce doudou voulait des clémentines. Donc là, il y a des clémentines. Et trois belles oranges que j'ai mis dans mon tissu. Là, je suis contente. Là, c'est pas trop flou. Donc, ça va. Là, je suis contente. Donc, trois belles oranges. Sans déchets. Sans papier. Sans emballage. Sans sachet. Rien. Bien sûr, je vous en montre deux. Mais la troisième, elle est là. Moi, j'en regarde toujours dans le retour alors que c'est vous qui la regardez. Donc elles sont là, les trois oranges et trois énormes baguettes. Bien sûr, le monsieur a eu la gentillesse de les couper en deux, donc on dirait qu'il y en a tout plein. Le panier, il est plein. Voilà, donc trois énormes baguettes. Donc imaginez si ça c'est une demi baguette. Donc normalement c'est le double, hein, parce que la baguette, voilà la taille des baguettes, donc de là jusqu'à là-bas. Donc c'est une très grande baguette. Donc trois très grandes baguettes pour 2 €. Mais je vous montre parce que sinon je vais dire qui raconte. Les baguettes, elles sont grandes comme ça. Voilà. Elles sont grandes comme ça. Donc là c'est 2 morceaux. Donc trois énormes baguettes pour 2 €. Et les clémentines plus les trois oranges. Donc les deux ensemble, au total, ça fait 1,60 €. Donc ça fait que j'en ai eu 1,60 €. Donc le total du marché fait 3,60 € pour la totalité, plus ce déchet. Ça c'est pas bien du tout. Alors il y en a un que je vais un peu manger ce matin. Je l'ai laissé aussi pour Doudou dans mon joli panier. Voilà, je sens que ça va être la photo de miniature, ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est tout. Et ce soir, puisqu'on est samedi soir, je regarde Monsieur Selfridge. Enfin, je l'ai écrit ici, ou je mettrai une photo ici de la série pour que vous compreniez. De toute façon, je l'ai déjà vu puisque j'attends la dernière, pas la dernière série, mais la saison 3, je sais plus. En fait, j'ai 1 milliard de séries où j'attends la saison prochaine. The Selfridge, j'attends la saison prochaine, qui n'est toujours pas en France. Reine, j'attends la saison prochaine. La Servante Écarlate, j'attends la prochaine saison. Bon, moi, je l'ai vu en streaming la saison 2. Alors que la saison 1 n'est passée qu'à la télé. Mais apparemment, il y a une saison 3 qui est en cours. Trop bien. Il y avait une autre série avec un roi. Je ne sais plus, avec un roi aussi. Où j'attends aussi la dernière saison. Desperate Housewives, en fait, j'ai vu juste un épisode de la toute dernière saison. Mais je n'ai pas vu la saison en entier. J'ai juste vu le dernier épisode. Bon, ça met un peu les boules, mais c'est pas grave. Sinon, toutes les autres saisons, je les ai vues 15 000 fois. Et je crois que c'est tout. Non, il y a aussi... je vous mettrai le nom juste ici, parce que j'arrive pas à le prononcer. J'attends aussi la saison prochaine, tout simplement. Donc, il y a du taf côté série, mais pour l'instant, je trouve rien sur le net. Donc, j'attends. Et je m'amuse à regarder les saisons 1, 2, 3. C'est pas grave. En plus là, ça fait 5 minutes que je discute. Peut-être enlever la veste, ça serait bien. Ça serait bien. Comme dit, je voulais vous emmener avec moi, hein, histoire que vous voyez un peu autre chose que l'intérieur de l'appartement. Mais histoire que vous voyez un peu l'extérieur. Mais là, le temps est trop pourri. Donc si samedi prochain, il fait meilleur et qu'on a besoin de quelque chose du marché en espérant de faire zéro déchet, je vous emmènerai avec moi s'il ne pleut pas. En ce moment, c'est pluie, neige, brouillard. Il y a de la brume, il y a des toutes petites gouttes d'eau. Enfin, c'est vraiment... Merdique. J'ai la tête dans les choux, de toute façon aujourd'hui je me maquille pas, je vais me maquiller demain. Aujourd'hui non, c'est nature. Donc bon, bah je vous laisse et je range tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Et oui, à tout à l'heure. Cet après-midi je risque d'être en mode chantier pendant quelques heures, donc je vais pas trop filmer, mais c'est juste un peu pour montrer ce que je vais faire. Donc je vais enlever tout l'autocollant qui est ici. Et également, attention ça tourne, enlever cet autocollant là, mais je vais rien faire d'autre concernant cet endroit là. Bref, le chacha, ça va le chacha? Bon, pour l'instant je suis toujours en mode pyjama, mais après je vais mettre ma tenue puisque je vais juste
repeindre en blanc donc toute cette zone là, tic tic tic, et un peu cette zone là, cette zone là, et tic 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 tic, en fait tout ce qui est bleu, tout ce qui est bleu je vais juste peindre, mais je vais m'arrêter quelque part ici, à peu près ici, à peu près, oui à peu près là je vais m'arrêter, le reste je le ferai le week-end prochain. Et Titu elle est curieuse, et tout ça c'est ce que je vais donner à la soeur Martiale et avec les filles, et ils vont un peu faire le tri, ça elle voulait récupérer pour le bureau, que le fiston est aussi une lampe, les chaussures c'est à voir, hein. Soit ça leur plaît, soit ça leur va, sinon elles doivent le mettre soit la déchetterie, soit la Croix-Rouge, mais en général je préfère le mettre à la Croix-Rouge, au moins ça sert une deuxième fois. Et tout ça aussi c'est un sachet pour la Croix-Rouge, et des rideaux qui sont trop petits, il y a des vêtements trop petits, je les ai lavés, là je les ai mis dans le sachet. Là j'ai un tableau que finalement je ne veux pas, donc je vais voir pour le mettre sur le bon coin. J'ai encore 2-3 trucs à remettre à nouveau sur le bon coin. Voilà. Donc bien sûr il faudra quand même que je mette des pantoufles ou des chaussures, puisque l'échelle sinon c'est dangereux. J'ai déjà commencé hein, à enlever l'autocollant, donc ça c'était une chambre d'enfant avant qu'on habite ici, donc comme là, ça va être notre bureau, donc on va décorer comme nous on veut hein, tout simplement à notre goût. Donc pour l'instant c'est la pièce chantier, enfin vous l'avez vu hein, c'est la pièce chantier, c'est le bazar avec le fameux cube que j'ai acheté sur le bon coin pour 50 €. Et je vais m'attaquer à ça, et puis peut-être que je vous verrai un peu plus tard dans la soirée. Doudou là il est tranquillement dans la télé, il a juste 2-3 articles à mettre à la cave, et après il va s'énerver sur des câbles internet. Joie. Allez, tout à l'heure, et j'espère que vous avez passé un bon week-end, et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Cette vidéo, j'espère la poster dimanche soir, grand max lundi matin, mais normalement dimanche dans la soirée je vais la poster, donc dites-moi vous comment était votre week-end à vous, si c'était plutôt repos, plutôt être en famille ou être tranquille devant la télé, ou c'était plutôt le grand ménage du week-end, ou si vous avez fait une sortie ou quoi. Enfin, je suis curieuse de savoir, donc j'attends tout ça là en dessous, dans les commentaires. Allez, bisous. Ouh, ça fait du bien de s'asseoir un petit peu, ça je peux vous le dire. Il est 5h-10. Donc bon, sur ma petite feuille, sur ma petite liste, bon là je ne l'ai pas, bon. Je suis assise, j'ai plus envie de me lever. Il y a des choses que j'ai faites et des choses que j'ai pas faites. Et ce que j'ai fait, en fait, je les ai remplacées par la séquence où vous venez de voir. Enfin, pour vous c'est une séquence, mais pour moi c'est ce que j'ai fait réellement. J'espère que j'ai plus trop de peinture. Non, ça va, je me suis bien débarbouillé le visage. Je vous dis, c'est vraiment un vlog. Enfin, pour vous aujourd'hui, pour moi c'est sur 2 jours et demi. Un vlog pas maquillé du tout, vraiment pas du tout, du tout. Je me suis permis de me changer, hein, donc il faut que je regarde moi dans le retour. Oui, je suis habillée, j'ai mis un jogging, un t-shirt, et un t-shirt comme ça, et mon truc, hein, parce que voilà. Je suis un peu frileuse, en plus j'aime bien, c'est sympa, bref, c'est pour la maison, pour traîner, tranquille. Donc j'ai fait 80% de la liste. La seule chose que j'ai pas faite, c'est enlever les 2 barres de rideau anciens, donc de l'ancien locataire, propriétaire. Et ça je le ferai demain ou le week-end prochain. À la place, ben, j'ai fait la peinture. En fait c'est une sous-couche blanche, juste pour avoir une base blanche, pour que le mois prochain, j'espère le mois prochain, ouais, février, pour que au mois de février, on puisse mettre la couleur qu'on souhaite sur le mur, mais sur vraiment sur une base bien blanche. En fait c'est un papier peint qui devait être blanc crème. Et la personne, elle avait fait un côté bleu et un côté rose, puisqu'elle avait voilà, un garçon et une fille. Donc nous, on va pas laisser cette couleur. Donc là, on fait une base blanche. Et ensuite, on mettra la couleur de notre choix. Et je vois que la batterie, elle est vide. Donc je pense que je vais couper, histoire d'avoir pas blablaté pour rien, n'est-ce pas? Bon, j'ai de nouveau une serviette sur la tête. Je viens de me laver les cheveux. Ça fait du bien, on se sent propre. C'est clean. Les deux titous, je ne sais pas si vous les verrez. Ils sont... Ficelle, elle est dans ce truc de radiateur, et Moustache, il est dans l'autre. Et ils sont en train de dormir. Enfin, dormir, hein. Ils dorment tout le temps, ces chats, hein. Ficelle, ils dorment tout le temps, Ficelle.
et moustache. Hein? Bon, nous sur ce, on vous laisse et on vous dit peut-être à tout à l'heure. Et petit.